Dans le souci d'occuper sainement les vacances des enfants des forces de défense et de sécurité et de ceux issus de l'action sociale, la Fondation Gopaga joue sa partition. Elle a organisé à Ouagadougou un camp vacances pour ses tout-petits et selon la Fondation, ces sorties donc détentes de 2 semaines qui ont été organisées visent à renforcer les capacités intellectuelles des enfants en les initiant à la danse et aux instruments musicaux. Le commentaire est de Pini Diyan. La natation, l'initiation au piano, à la flûte, à la danse et bien d'autres disciplines, voici de quoi occuper sainement les vacances de ces tout-petits. Nous sommes à une colonie de vacances qui se veut un moyen de distraction, mais surtout pour le renforcement des capacités intellectuelles de ces enfants vulnérables et ceux des FDS tombés sur le champ de bataille. Ils ont appris à chanter la gamme de Do majeur notamment. Ceux qui arrivaient à être plus avancés ont pu aborder le piano avec soit des notes ou soit des accords. Il y a aussi eu le jeu de tam-tam, les autres percussions aussi, le bendré, il y a eu la batterie, la guitare, et ensuite nous avons essayé de mettre en harmonie avec les enfants de petites orchestrations. En plus de ça, nous avons fait l'informatique. Et pendant cette colonie, je me suis fait trop d'amis. Et je suis très heureux de participer à cette colonie. Franchement, c'est inexplicable en fait, parce que je suis très très heureuse quand tu es parmi ces enfants qui arrivent en 2 semaines à vraiment utiliser des instruments. Sincèrement dit, c'est vraiment une satisfaction. 82 enfants ont pris part à ce camp vacances 2024. Un pari gagné selon la Fondation Gopaga, promotrice du camp. Les enfants que vous avez vus lors de ce camp vacances sont des enfants que nous suivons toute l'année. Et durant ces années, nous avons des activités avec eux. C'est avec joie que nous pouvons dire que nous avons atteint nos objectifs. La Fondation Gopaga est une association qui œuvre dans le social, notamment l'insertion économique des veuves et orphelins des FDS tombés au front.